Notre rubrique proximité maintenant ce midi. Nous allons retrouver non pas Isabelle Allan qui a pris quelques jours de congé, mais Nadia Tayama qui va assurer les rendez-vous toute cette semaine. Ce midi, Nadia, vous avez choisi de mettre en avant l'artiste peintre Charlie Lesquelin. Tout à fait. Charlie Lesquelin, eh bien, quand il donne libre cours à sa créativité et à son imagination, voilà ce que ça donne, un marronnage de rêve. Voilà, Charlie rêve et il crée seulement en 13 jours ce magnifique tableau pascal qui fait quasiment 2 mètres sur 3, un tableau qui sera exposé pour la première fois au musée Léon Dierx à partir du mois de mai prochain. Charlie, bonjour. Bonjour. En plus, voilà ce tableau que nous l'avons vu là, que sera exposé à Léon Dierx. C'est vraiment un moment important ou dans votre carrière de dire qu'on a toujours peint dans la rue et là, un musée, La Réunion, il donne à haute chance où ça est exposé dans un musée réunionnais. Ah oui, c'est une formidable opportunité, hein, merci au département d'avoir créé ce système de résidence hein, en 2017, où on a plusieurs artistes d'ailleurs, donc il donne libre cours à mon imagination que m'y bloquait depuis un certain temps. Et là, et c'est voilà, la porte l'a rouvert, donc les rêves l'a débarqué, et c'est vraiment un très, très grand moment de création pour moi. Vous rêvez un petit coup pour nous aujourd'hui en direct, un Allô. Souffle, un nouveau souffle avec cette exposition. Alors où sortent Tampon, où l'a installé ici dans cet atelier à l'office de tourisme sur le front de mer de Saint-Pierre. C'est quoi de technique un peu Charlie, pour ça tu connais pas où? Bah, écoute, moi, là, moi, été connu avec les ronds de bac, avec l'atoll, le gonier, etc. C'était la partie où moi, là, travaille sur mes racines. Après, moi, là, commence à voyager, donc moi, déconnecté un petit peu des collages, pour découvrir la peinture, c'est quoi l'art, de quoi nous cause, qui c'est moi, surtout. Parce qu'à un moment donné, ou peint pour les autres, et à un moment donné, on rend compte qu'avec les grands maîtres, moi, appris qu'à un moment donné, ou peint pour, il faut pas ou même. Hein, on est un peu égoïste au début, c'est une recherche personnelle. Donc là, moi, commence à faire un travail sur moi, en relation avec mon copain moine bouddhiste de Kempa de Thaïlande, que l'a pris à moi à faire ce travail introspectif et à chercher pas que la belle image qui se vend, etc. C'est vraiment un travail introspectif très fort pour chercher ben, la nature, là, avec le département, le projet paysage de l'atelier de Lille. Donc moi, à partir sur le côté irréel, donc on a des animaux, des paysages, des personnages là, apparus dedans, et c'est plus que des tableaux, il a devenu des contes et légendes, on va dire. Et quand on fait cause de trip comme ça, ou diamant, on est aussi pas mal inspiré par tout ce qui est un peu conte Marvel. C'est vraiment la créativité dans toute sa splendeur, là, Charlie. Hein. Ah ben, moi, je suis né de la génération Marvel. Moi, j'ai grandi avec des films comme Willow, évidemment, comme Star Wars. Donc, le fantastique l'a toujours baigné dans mon imaginaire de créole. Quoi, hein. Et il faut 30 ans d'expérience pour acquérir la technique. Parce qu'avoir l'imagination, elle est bien, mais il faut la technique qui va avec. Et cette résidence-là, là, permet moi de joindre tout ça et de donner cette série en noir et blanc, surtout. Qui est un peu nouveau, parce que moi, je m'y faisais du noir et blanc, mais un peu ponctuellement, m'y lâcher, m'y reprenais. Mais là, c'est vraiment un travail un peu différent. Alors, on parle de technique, il faut dire que il n'a pas fait les beaux-arts, il est vraiment un peintre la cour, Charlie. Oui. Mais moi, là, malheureusement, on ne m'a pas fait les beaux-arts, ou heureusement, on ne m'y connaît pas. En tout cas, ma ville est comme ça là. Moi, là, beaucoup de dallons l'a fait. Les gars, on a une super peinture aussi. Ils apprennent nous. M'y apprend beaucoup, hein, des gars comme Quinclé, Denmont, Lacaz, qui a beaucoup appris moi de choses sur l'art, parce que justement, on a des lacunes aussi, parce qu'on ne m'a pas fait les beaux-arts, mais peut-être on a une force autre, voilà, c'est ce que l'a fait un peu mon expérience personnelle. Pour les gens qui achètent tout tableau ou qui ne connaissent pas, parce qu'ils viennent voir à Ouna Créole, ils viennent voir au marché forain, et tiens, Charlie, ben là, en combien de temps on l'a fait ça? Parce que le grand tableau que nous avons vu, tableau là, on l'a fait ça quand même en 13 jours. Hein. Oui. Ben, 13 jours, parce que c'était un tableau là, un peu comme une immersion. C'est le genre de tableau que vous faites un peu en transe, quoi. La nuit, au réveil, en disant, t'es, moi, oublié une lumière sur tel coteau, moi, oublié une ombre dans tel pied de bois, tel endroit. C'est une affaire, il rend un peu malade, quoi, ou envie d'avancer, ou envie de voir le bout. Et ils sortent à moi de ma zone de confort aussi. Quoi, Charlie Lesquelin, en plein direct, nous laisse à au fini au tableau. Charlie, que sera en exposition à Léon Dierx au mois de mai prochain. Et puis un beau périple aussi, parce que monsieur est bouddhiste et très connu, notamment en Thaïlande, Pascal. Merci beaucoup.